Une expérience que je souhaite à beaucoup. Un jour, de se retrouver hors de chez soi. Ça ne veut pas dire hors de son pays, mais en tout cas hors de son univers familier, hors de sa bulle. Et d'être plongé dans un monde totalement différent, et dans ce monde-là, d'éprouver la condition d'étranger. À ce moment-là, on en vient à regarder différemment les étrangers aussi. Bishop Pierre Claverie challenges us through his message. His life and death shine a light on the essential question of meeting with that other who is so different. He writes, "More and more, everywhere, men of all races, all cultures, and all religions are called to live together. And where human groups coexist without communication, violence is near. Misunderstandings develop in the fertile ground of ignorance and of scorn for the other. Therefore, it is urgent to work towards making it possible to meet in respect and confidence." Pierre Claverie was born on the 8th of May, 1938, in Algiers, in the Bab El Oued district, to a French family in Algeria for four generations. The unity of his family brought him human and spiritual balance. He inherited his mother's love of life and his father's determined character. For nearly 40 years, with astonishing regularity and in spite of great responsibilities, he kept up a weekly correspondence with his family, sharing with them the details of his life, but also his faith, his prayer, his religious life. Having become a Dominican and been ordained Bishop of Oran, he was assassinated in 1996. Mohamed Bouchiki, a young Muslim friend who had come to meet him at the airport, died with him. Inspired by this friendship, the Dominican brother Adrien Candiar wrote a play, Pierre and Mohamed, a monologue in which the actor plays Turnabout, the two characters. Using texts and sermons by Bishop Claverie and inventing speech for Mohammed, this play, which has been performed more than 800 times, bears homage to Pierre Claverie's friendship for Muslims, for Algerians. A friendship which went the full length. Il a grandi dans cette Algérie-là. Lui, le petit Français. Et je ne comprends pas comment il a pu l'aimer. Je ne comprends pas comment il peut l'aimer quand il la voit comme ça, aujourd'hui. Comment il peut l'aimer au point de ne pas nous quitter, hein, de pas rentrer en France. Comment on peut aimer un pays malade qui souffre et se dévore lui-même? Pour moi, c'est le mystère de Pierre.
peut-être parce que j'ignorais l'autre, ou que je niais son existence, mais un jour, il m'a sauté à la figure et il a affirmé son existence. L'émergence de l'autre, la reconnaissance de l'autre, l'ajustement à l'autre sont devenus pour moi des hantises. C'est vraisemblablement ce qui est à l'origine de ma vocation religieuse. L'altérité, c'est la grande question de sa vie, finalement, puisque pendant les 17 premières années de sa jeunesse, il a vécu à côté de l'autre sans le voir. L'autre musulman, l'autre algérien, sans le voir. Il a commencé à évoluer lorsque, vers l'âge de 18 ans, il quitte Alger pour faire des études universitaires en France, à Grenoble. Et ce départ de l'Algérie est pour lui une espèce de blessure. Il perd son milieu d'origine, cette Méditerranée chaleureuse. Il arrive à Grenoble, il dit « ici, il pleut tout le temps ». Et puis surtout, il découvre une université politisée et où donc son ignorance de la réalité coloniale est bousculée par des jeunes étudiants ou même des professeurs qui ont des positions politiques. Et ça va l'amener à faire un chemin intérieur où, d'une certaine manière, se tisse en même temps sa vocation religieuse et sa vocation humaine, j'allais dire, d'épanouissement personnel. Having entered the Dominican order and been ordained priest, he agreed to return to Algeria when most of the Europeans established on the Algerian territory for over 150 years had to leave. Almost a million of those now called pieds noirs, blackfeet, crossed the Mediterranean in conditions which were often difficult. Independence was granted to Algeria in 1962 after 4 years of struggle between the FLN, National Liberation Front, and the French army. A struggle which left many dead and involved attacks, torture, and massacres in both Algeria and France. The Church of Algeria also experienced upheaval. The churches were emptied almost overnight. Pierre Claverie was present in Algeria and endured this period of great change. Il est très proche de Mgr Tessier, qui est déjà évêque d'Oran. Et avec Henri Tessier et d'autres, il va faire son travail de théologien, justement, c'est-à-dire accompagner la réflexion d'une Algérie, d'une Église, pardon, qui doit trouver le sens de sa présence dans un peuple qui est majoritairement musulman. Et si on n'est pas dans une problématique de prosélytisme, je suis là pour te faire changer, qu'est-ce qu'on dit, n'est-ce pas ? Et donc, il y a toute une réflexion à faire sur l'amitié, le témoignage, le compagnonnage, être avec. Il est rentré en plein dans le projet de notre Église avec cette période du cardinal Duval qui nous mettait sur cette direction et du Concile Vatican II d'être une Église qui fait signe dans une société, dans la société. Je pense que l'Église en Algérie est marquée par cette condition d'identité minoritaire, hein, entre tous les chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques. Si on est 30 000 pour 40 millions d'habitants, c'est bien tout. Pierre Claverie learned Arabic with Lebanese Sisters of the Holy Hearts. He studied Islam and created links of friendship with many Algerian Muslims. Made director of the Center for Diocesan Studies, L'Eglisine, in Algiers in 1973, he taught Arabic to Algerians. He was ordained Bishop of Oran in 1981, following Bishop Tessier. In spite of all of his responsibility, he did not give up his ministry of Dominican preaching. He spent his vacations preaching at retreats, and each month
wrote the editorial in the bulletin of the Diocese of Oran, taking an active part in the social and political life of Algeria. Et là où il va être à nouveau assez créatif, c'est que, évidemment, nos églises étaient vides. Nos presbytères, on n'en avait plus besoin. Et alors, il a dit, mais c'est magnifique, on peut en faire des plateformes de services et de rencontres. C'était sa formule, les plateformes de services et de rencontres. C'est-à-dire, au lieu de pleurnicher sur le fait qu'on n'est plus très nombreux, on retourne l'affaire et on essaie d'en tirer un parti positif. Il nous disait toujours, ce qui coûte le plus, c'est le premier pas. Et les mots que j'aurais, ça serait garder sortir de soi. Il fallait toujours nous dire sortir, il faut sortir de nous-mêmes. Sortir. C'est porte ouverte, puis sortir de soi. La parole qu'il a prise a été immédiatement un signe pour les intellectuels oranais qu'ils avaient touché là. Non seulement un évêque chargé de la communauté chrétienne de l'ouest de l'Algérie, mais un homme qui réfléchissait sur la société algérienne, sur l'évolution du monde, et un croyant qui était capable d'éclairer cette réflexion, non seulement par son identité chrétienne, mais par ce que vivait aussi le monde arabo-musulman. Dans cette expérience faite de la clôture, puis de la crise, et de l'émergence de l'individu, j'acquiers la conviction personnelle qu'il n'y a d'humanité que plurielle. Et que dès que nous prétendons posséder la vérité, hein, ou parler au nom de l'humanité dans l'Église catholique, nous en avons fait la triste expérience au cours de notre histoire. Nous tombons dans le totalitarisme et dans l'exclusion. Nul ne possède la vérité. Chacun, chacune, la recherche. On ne possède pas Dieu. On ne possède pas la vérité, et j'ai besoin de la vérité des autres. Il est droit dans ses bottes, il est chrétien, il est évêque, il est théologien, il croit que le Christ lui donne la plénitude de l'accès à Dieu, mais ce qu'il veut dire, c'est que la compréhension que nous en avons est toujours en chemin. Et tant que nous sommes en chemin, ben, ça vaut peut-être la peine de regarder le cheminement des autres. C'est ça, en ça que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il montre qu'un musulman qui chemine près de lui lui apporte aussi des choses sur la connaissance de Dieu. Quand je vois l'histoire du salut, quand je vois la pédagogie de Dieu dans l'accompagnement de son peuple, c'est jamais tout ou rien. C'est jamais un oui et un non, c'est jamais binaire comme logique. C'est toujours un accompagnement, c'est toujours un cheminement, y compris dans le compagnonnage de Christ avec ses disciples. Ce n'est pas au tout début qu'il leur a posé la question de savoir « Est-ce que vous me reconnaissez comme Messie ? Donc, vous êtes mes disciples ?» Il les a appelés et progressivement, il leur a demandé de le reconnaître, ou il les a amenés à le reconnaître comme Messie. Du coup, cet accompagnement peut se traduire en amitié, peut se traduire en fraternité, peut se traduire aussi en interpellation réciproque, peut se traduire aussi en m'amenant, moi aussi, en tant que chrétien, à voir comment approfondir mon enracinement en Christ. Ce qui incombe aux chrétiens, pour moi, c'est de rendre audible leur foi en étant à l'écoute des questions que renvoient l'islam et les musulmans, déconstruisant des idées reçues et rendant possible un terrain commun, au moins au niveau humain, dans cette ouverture à Dieu. «
Le temps du dialogue ne peut pas encore commencer, m'a-t-il dit. Car avant le temps du dialogue, il faut le temps de l'amitié. L'amitié. L'amitié qui permet la parole vraie, la parole qui écoute, la parole qui ne nie pas l'autre en cherchant à le convaincre. Voilà ce qu'il était venu vivre en Algérie. C'est le moment et l'urgence, dans la mesure où, comme depuis toujours, les relations entre chrétiens et musulmans en particulier sont conflictuelles depuis le début de leur histoire. À mon avis, il faut regarder l'histoire en face et donc prendre acte des difficultés que nous avons de nous comprendre, de nous entendre et de vivre ensemble. Et cependant, parce que ces difficultés s'aggravent dans ces dernières années, il est urgent que des hommes et des femmes de bonne volonté se consacrent. Peut-être pas à un dialogue islamo-chrétien au sens où ce dialogue toucherait d'abord la doctrine et la compréhension des textes ou du contenu de la foi des uns et des autres, mais à une rencontre renouvelée, à un essai de rencontre pacifique. C'est ce que nous essayons de vivre là-bas. C'est un peu la mission de notre Église. Pierre Clavry n'avait pas une vision idéaliste de l'islam, hein, contrairement à quelquefois des islamologues qui regardent ça de loin. Il aimait dire, comme moi d'ailleurs et d'autres, on ne rencontre pas l'islam, on rencontre des musulmans. C'est très important, parce que l'islam c'est abstrait, mais il y a des musulmans. Et d'ailleurs le Concile Vatican II, dans sa déclaration Nostra Aetate, ne parle pas de l'islam, il parle des musulmans. Si on croit véritablement que Dieu s'est donné, s'est révélé, a parlé, il s'est mis en relation avec la réalité humaine, avec la réalité du monde, c'est qu'il appelle son Église à faire la même chose. Paul VI, dans son encyclique Ecclesiam Suam, n'a pas dit autrement cette réalité. Il dit « l'Église se fait conversation avec le monde ». C'est ça sa nature, c'est ça sa vocation. Elle est appelée à se faire conversation, c'est-à-dire à se mettre en dialogue. Et c'est ça qui définit la réalité, je dirais, chrétienne. Puisqu'on est habité par le Verbe de Dieu n'est autre que ce dialogue intime en Dieu, justement rendu possible par l'esprit, par le souffle. Between 1991 and 2002, Algeria went through a black decade. The electoral process was blocked by the military in order to prevent Islamists, who had nevertheless won a large majority, from coming to power. The Islamists decided to engage in an armed struggle. A period of assassinations and violence began, particularly targeting those who represented civic life. The police, magistrates, moderate imams, politicians, teachers, journalists, singers, and eventually foreigners. The traditional Islam of Algeria is an Islam of brotherhood and devotion. But the Arabization which took place after independence by professors who came from the Middle East spread radical Islamic ideas. These ideas found favorable ground because of the corruption of politicians and because of poverty, and Islamism made its way into mosques and into hearts. C'est une crise géopolitique, c'est une crise d'identité, c'est une crise religieuse, c'est la crise de la région et de la religion musulmane qui rencontre aussi la modernité sous une autre forme. Et comme toute crise, elle peut conduire à une mutation, une transformation, comme la crise d'adolescence qui permet de devenir adulte, comme elle peut conduire à une crise de crispation. On se retourne en arrière parce qu'on a peur de la transformation, on a peur de l'ouverture.
à partir de 1991-92, du développement de la violence islamiste, l'accent a été un peu différent. Hein. Ça a été l'autre à une identité qui m'échappe. Et je dois savoir me situer devant cette résistance de l'autre. Je ne peux pas proposer à la communauté musulmane de faire le chemin de renouvellement intérieur et spirituel que la communauté chrétienne est en train de faire depuis Vatican II et même depuis 50 ans. Cette tradition religieuse a ses propres rythmes. Depuis le début du drame algérien, on m'a souvent demandé « Que faites-vous là-bas ? » Pourquoi restez-vous ? Secouez la poussière de vos sandales. Rentrez chez vous. Chez vous ? Où sommes-nous chez nous ? Nous sommes ici à cause de ce Messie crucifié, à cause de rien d'autre et de personne d'autre. Nous sommes là. Comme au chevet d'un ami, d'un frère, malade, en silence, en lui tenant la main, en lui épongeant le front. À cause de Jésus, parce que c'est lui qui souffre là, dans cette violence aveugle, qui n'épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de milliers d'innocents. Où serait l'Église si elle n'était pas là d'abord ? Je crois qu'elle meurt, l'Église, de n'être pas assez proche de la croix de son Seigneur. Je crois que Jésus s'est placé justement sur les lignes de rupture de l'humanité. Là où il y a rejet, intolérance, cassure. Que ce soit les lignes de rupture à l'intérieur des personnes, malades, désespérées, solitaires, rejetées, que ce soit les fractures entre les groupes humains. On parlait tout de suite, par exemple, du pharisien, du publicain, par exemple, ou du juif et du non-juif, ou du croyant et du non-croyant. Et donc Jésus s'est placé là. Et il n'a pas fait grand-chose que de se placer là. Et c'est la dernière image que donne Jésus, n'est-ce pas, dans sa vie, d'un homme écartelé. Donc une main à l'intérieur, une main avec l'exclu. Il place ses disciples sur ces mêmes lignes de fracture avec la même mission de guérison et de réconciliation. L'Église accomplit sa vocation et sa mission quand elle est présente aux ruptures qui crucifient l'humanité, dans sa chair et dans son unité. Pourquoi rester ici ? Et Pierre a répondu, même pour la seule vie de quelqu'un comme Mohamed, ça vaut de risquer sa vie. Il sait bien qu'il va mourir. Comment l'orage de feu qui s'abat sur l'Algérie, qui n'épargne même pas ses moines, perdus dans la montagne, pourrait passer sans emporter cette voix forte qui parle à la radio et même à la télévision. Si Pierre doit mourir, permet que je sois avec lui à ce moment-là. Ce serait trop triste que Pierre, qui aime tant l'amitié, n'ait pas un ami à ses côtés.
pour l'accompagner à l'heure de la mort. La mort de Monseigneur Clavier et de mon fils Mohamed, c'était un signe de paix et d'amitié. Leur sang, leur chair était mélangée, était déchiquetée. Alors ils sont tous mélangés ensemble, enterrés ensemble. Alors là, c'est un signe de Dieu que nous sommes tous des enfants de Dieu, soit chrétiens, musulmans. C'est ça le signe de paix et d'amitié. On August 1st, 1996, Mohamed Bouchiki accompanied his friend inside the bishop's palace. A bomb was waiting for them. At Monseigneur Pierre Clavery's burial, many Muslims came to pay him homage. He was the last of the 19 religious assassinated in Algeria, among 150,000 dead victims of the Black Decade. The church, which went through this drama with the Algerians, became at that very moment the Algerian church. Here are the words of an Arabic song. We testify that there is no existence except through love. We testify that there is no life other than in love. We testify that there is no man except for love. We testify that there is no God but love. Il a été assassiné. Ça a été terrible. On a voulu lui fermer la bouche, mais il parle encore plus maintenant. Il me paraît absolument essentiel qu'en France et partout où cela est possible, chrétiens et musulmans, nous des relations de confiance, d'amitié, essaie de se comprendre mutuellement, en sorte que, là où ça n'est plus possible, on puisse au moins, regardant vers l'extérieur, espérer encore qu'un avenir entre chrétiens et musulmans sera ouvert. Et c'est ce qu'une amie, Oumel Rer, nous avait dit aussi, pour la présence de l'Église en lien avec d'autres croyants. Soyez la petite pierre qui empêche la porte de l'islam de se refermer sur lui-même. Moi, je crois beaucoup à la rencontre. Je pense que c'est par les personnes qu'on comprend des choses. On peut lire des livres, on peut... Mais la rencontre chez soi, ailleurs, et là, l'Europe, voilà, elle doit cheminer. Mais je pense que si elle ne reste pas une Europe ouverte, et une Europe qui a des valeurs, elle va elle aussi contrainte de s'enfermer dans des murs, c'est d'ailleurs ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, et évidemment ça engendrera de la violence. Donc la seule alternative à la violence, c'est la rencontre. Tout le monde devrait avoir au moins un ami musulman. Parce que quand vous avez un ami musulman, vous avez une petite clé pour entrer dans une réalité que vous ne comprenez pas, qui vous semble étrange, peut-être menaçante. Donc je pense que ne pas avoir peur, oser l'amitié.
From the book of Isaiah, chapter 50, verses 4 and 5. The Sovereign Lord has given me an instructed tongue, to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. The Sovereign Lord has opened my ears, and I have not been rebellious. I have not drawn back. Lord, you came to meet us when we were still far away. Give us the grace of encountering others who are different from us and who might make us afraid. Come and disarm in us and in the other all violence, closedness, contempt, and hatred. We pray for the Algerian church, that it might continue to be a sign of your love for all. We entrust to you the Chemin Neuf community and its presence in the monastery of Tibirine.